Le master spécialisé management et direction de projet, c'est une formation sur 1 an et demi. C'est un diplôme délivré par Centrale Supélec et qui s'adresse à des personnes qui ont un bac plus 5. Donc le master, il est organisé en alternance de journées professionnelles et puis de journées de cours. C'est-à-dire que nous, les cours ont lieu tous les 15 jours, 5 jours par mois, dont un samedi par mois. Et c'est tout à fait compatible avec une activité professionnelle à côté. On a des profils aussi bien issus du monde de la santé, de l'informatique, des services, dans des associations également, avec quelqu'un en fait qui souhaite changer quelque chose à sa vie professionnelle et qui veut passer un gap, devenir directeur de projet. Ça peut être aussi des gens qui ont déjà une petite expérience professionnelle dans un certain milieu et qui souhaitent s'ouvrir à d'autres choses et faire profiter de leur expérience enrichie par cette formation pour changer de secteur ou de dimension. Nous, la caractéristique vraiment, c'est qu'on a une grosse part dans la formation autour de l'humain. Et derrière gestion, on va parler de gestion de projet, de gestion financière, etc. Mais nous, il y a vraiment une caractéristique très très forte sur le management humain, qui passe par la connaissance de soi, la connaissance des autres. Il y a une forte part des cours même de la formation qui vont parler de conscience de soi, de gestion du temps, de communication orale et écrite, de leadership, de négociation. On ne cherche pas à former un gestionnaire de projet ou un gestionnaire de budget, etc., mais vraiment de former des directeurs de projet qui vont pouvoir gérer des portefeuilles et qui vont avoir un panel beaucoup plus important à gérer qu'un seul projet. Pour être un bon directeur de projet, il faut une grande capacité d'écoute et puis une capacité aussi de remise en cause, aimer les hommes et être à l'écoute des parties prenantes. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre en fait dans cette formation. Donc le management de projet, c'est vraiment une activité dédiée, une spécialisation en fait dédiée à des activités qui ont un début et une fin et où on est capable vraiment d'officialiser un lancement, un départ et mobiliser fortement des ressources jusqu'à interne. Donc ça s'applique très bien à des activités ponctuelles, des projets de réorganisation dans l'entreprise, etc. Ça ne s'appliquera pas à de l'amélioration continue. Et ça s'applique aussi très bien à la création d'entreprise. Et dans nos promotions, quasiment tous les ans, on a un ou deux mastériens. Donc quand on rentre dans le master, on devient mastérien, étudiant du master. On a un ou deux mastériens par an qui créent leur start-up, qui créent leur entreprise. Ce master donc est co-habilité, co-monté par Centrale Supélec et la Cegos depuis le démarrage. Et avec mon collègue Emmanuel Chenevier, côté Cegos, on a vraiment à cœur de revoir tous les ans le contenu pédagogique pour s'adapter au mieux aux besoins des entreprises, de nos étudiants et aux besoins du marché. Après, comme c'est une formation qui se fait en executive education et qui est vraiment un projet personnel pour chacun, l'évolution, les changements que ça va impliquer pour chacun sont extrêmement variables. Il va y avoir des changements pendant la formation. Généralement, c'est au bout de 2-3 ans en moyenne qu'on voit qu'il y a un changement professionnel drastique. Si vous avez envie de changer et de prendre des responsabilités dans votre entreprise, si vous avez envie de vous challenger sur des activités très dynamisantes comme le mode projet, etc., oui, cette formation est faite pour vous. Après, il faut vraiment être accompagné par son entreprise et puis avoir des soutiens personnels aussi assez forts parce que, comme je le disais, c'est une formation qui est très demandante. Vous avez entre 35 et 40 ans, vous êtes un homme ou une femme très dynamique. Et vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, aussi bien de changer de profession, de changer d'entreprise ou de changer de secteur ou de changer de responsabilité au sein de votre entreprise, n'hésitez pas, candidatez et ce sera un plaisir pour nous de discuter avec vous de l'opportunité pour vous de nous rejoindre ou de l'opportunité pour nous de vous accueillir au sein de cette belle promotion du MSMDP.